à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce que ma caméra a, j'ai l'impression qu'elle donne un effet d'image ou de couleur délavée et je n'arrive pas à retrouver mon réglage habituel. D'ailleurs, je ne pense pas avoir un réglage habituel parce que je suis tout simplement nulle avec mes caméras. Mais bon, aujourd'hui, dimanche capillaire, j'espère que vous êtes ravis comme moi de nouveaux conseils, de parler de cheveux encore une fois. La dernière fois, donc la semaine dernière, vous avez été nombreux à vouloir voir une vidéo sur les bonnes adresses pour s'acheter ou se procurer des produits capillaires, sauf que je me suis rendu compte que la tâche était bien plus difficile que ça, donc il faudra un tout petit peu plus de temps pour rassembler toutes mes infos et vous faire une belle vidéo. Mais aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire qui m'a beaucoup touchée et qui m'a beaucoup aussi interpellée parce que j'ai rencontré le même problème et je pense qu'on n'est pas, moi et la fille, ne sommes pas les seuls à avoir ce problème-là. Donc il s'agit de quelques conseils pour vivre avec ses cheveux secs et comment les rendre plus hydratés, plus agréables au toucher et ainsi de suite. Donc 5 petits conseils pour vivre avec ses petits cheveux secs. Ah oui, j'ai une petite feuille où je me suis noté un peu mes conseils, j'en ai exactement 5. Et tout d'abord, je voulais surtout vous dire qu'il faut comprendre une chose. Si vos cheveux sont secs, il y a bien une raison. Donc si vous avez les cheveux comme moi ou les cheveux bouclés, du moment où vos cheveux sont plus ou moins bouclés, que ce soit des grandes boucles ou des plus petites, bien serrées, ou un peu comme moi, un peu en zigzag, il faut savoir que notre cuir chevelu produit du sébum, tout comme notre visage, et c'est une sorte d'huile ou quelque chose de gras qui permet d'hydrater nos cheveux. Cette sorte d'huile ou de gras doit descendre en fait de la racine de vos cheveux jusqu'aux pointes. Donc si vous avez les cheveux raides, ben c'est très simple parce qu'il y a juste une ligne droite à suivre. Alors que si vos cheveux sont un minimum bouclé ou très bouclé même, c'est beaucoup plus difficile à cette huile ou à ce gras de descendre et d'hydrater vos cheveux jusqu'aux pointes, et c'est à ce moment là que ça ne descend plus qu'à moitié ou pas entièrement jusqu'au bas, et vous retrouvez avec des cheveux secs qui cassent aussi, et c'est la raison pour laquelle on a parfois des cheveux très secs. Donc il faut trouver une solution externe ou les hydrater soi-même ses cheveux tout en bas jusqu'en bas. Parfois des simples produits qu'on utilise une fois par semaine ou au quotidien suffisent, et parfois ça ne suffit pas parce que nos cheveux ont besoin un peu plus d'hydratation. Alors je vais commencer avec mon tout premier conseil, c'est de vérifier si les produits que vous appliquez dans vos cheveux contiennent effectivement des produits plus hydratants ou avec des vertus hydratantes. Donc tout simplement lire la composition de vos produits, faire des recherches sur Google, savoir aussi que la composition des produits, quand vous les lisez, le produit qui est en premier lieu ou en deuxième lieu ou en troisième lieu sont les produits qui en contiennent le plus. Souvent 50% même de la composition d'un produit est simplement le premier ingrédient. Donc je pense notamment au leave-in conditioner, les produits à base d'eau. La première chose que vous lisez est eau. Bah bien sûr, le produit est liquide, donc c'est vraiment ce que le produit contient de plus. Donc voilà, vous lisez les ingrédients contenus au dos de vos produits, vous faites quelques recherches sur Google pour savoir un peu ce que vous mettez dans vos cheveux, savoir s'ils contiennent des vertus hydratantes ou pas. Ça vous éclairera déjà un peu plus sur ce que vous apportez à vos cheveux de base. Deuxième conseil, c'est de se concentrer sur les longueurs et les pointes. Donc quand vous appliquez vos soins ou quand vous traitez vos cheveux, tout simplement, c'est de bien savoir que ce sont les parties qui sont les moins hydratées, qui ont besoin de plus de soins, qui sont plus fragiles. Donc si vous maniez vos cheveux, si vous soignez vos cheveux, concentrez-vous sur les longueurs et les pointes. Moi, c'est ce que je fais quand je me lave les cheveux, quand j'applique mon masque. Je l'applique uniquement sur les longueurs et les pointes et non pas la racine, qui d'après moi est saine et qui n'a pas besoin d'autant de soins que mes longueurs et mes pointes. Troisième conseil, c'est de doubler d'efforts. Donc si vous vous lavez les cheveux une fois par semaine, lavez-vous peut-être les cheveux deux fois par semaine. Si vous hydratez les cheveux tous les deux jours, peut-être hydratez-vous les cheveux tous les jours ou tous les jours, je ne sais pas. Bref, doublez vos efforts sur une période donnée, donc peut-être un mois ou deux mois pendant ce temps-là où vous faites les choses en double, donc au lieu de faire un lavage une fois par semaine, de le faire deux fois par semaine pour voir ce que ça peut changer. C'est comme quand vous avez faim, vous mangez deux fois plus, et je pense que c'est pareil pour vos cheveux, donc de faire sur une sorte de cure pour voir si ça améliore ou pas l'état de vos cheveux et notamment l'hydratation et
la souplesse de vos cheveux. Quatrième conseil, et c'est mon conseil préféré, c'est de boire plus d'eau ou de changer un tout petit peu votre alimentation, parce que votre santé se reflète aussi par ce que vous mangez et ce que vous prenez en vous. Donc si vous buvez déjà un peu plus d'eau, ça veut dire que vous hydratez un peu plus votre corps, donc ça va naturellement avec le sang aller jusqu'aux vos cheveux et hydrater vos cheveux d'autant plus. Si vos cheveux sont mal hydratés ou sont secs, cela aura peut-être aussi une répercussion sur votre peau, sur votre visage. Vous allez peut-être constater qu'il y a une mauvaise hydratation sur d'autres parties de votre corps. Et je pense qu'en vous alimentant d'une meilleure manière, en buvant plus d'eau, ça changera déjà l'état de vos cheveux, mais aussi de votre corps, et vous vous sentirez déjà beaucoup mieux dans votre peau. Cinquième conseil, et c'est mon dernier conseil un peu plus drastique en fait, c'est de tout simplement couper vos cheveux. Parce que il faut savoir que vos cheveux ont des couches, donc ce n'est pas juste un cheveu, mais il y a plusieurs couches qui constituent votre cheveu. Et parfois sur vos pointes, il y a des couches qui sont éliminées et qui sont beaucoup plus fins du coup, et qui sont tout simplement mauvais état. Et parfois la meilleure solution, c'est de couper vos cheveux, d'éliminer en fait ce mauvais côté de votre cheveu et de garder uniquement le bon. Et dire au revoir à quelques centimètres de vos cheveux, je sais que c'est parfois douloureux, mais si vous voulez avoir des cheveux sains et longs et en bonne santé, c'est la seule solution. Et c'était mon dernier conseil. Et voilà, c'était tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle a pu vous aider, qu'elle a pu être utile et que vous avez aimé aussi. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas et aussi à partager d'autres idées en commentaire. J'aime bien discuter avec vous et je pense que ces dimanches capillaires, c'est surtout aussi un bon moment d'échange. Je sais que je ne suis pas une spécialiste et je suis preneuse pour tout conseil. Donc échangeons et passons ensemble à un très bon dimanche capillaire. Je vous fais plein de bisous. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye.